osé venir. Et il y a un jeune homme, il y a trois jours, qui a dit « Oh, on aimerait beaucoup que vous veniez faire un signe sur la place Saint-Agma. » On s'est dit « Mais oui, mais bien sûr, on n'osait pas, on ne voulait pas... Voilà, alors donc, dès qu'on nous a demandé, on était très heureux, parce qu'on pense que ce qui se passe sur cette place, ce qui se passe sur certaines places de Madrid, ça, c'est très important, c'est-à-dire les cris d'indignation et de cette demande de justice, qui est la demande du peuple grec, des citoyens grecs et celle des citoyens espagnols. Elle est absolument notre demande. Et donc voilà, donc on voulait que la justice apparaisse sur cette place et vienne apporter sa force. Déjà, on a vu quelques manifestations pareilles dans d'autres villes européennes et aussi à Paris. Est-ce que vous croyez qu'en France, il faut faire quelque chose pareil? Vous savez qu'il y a un tout petit mouvement qui commence, place de la Maxime, ils sont encore très peu nombreux. Moi, je pense qu'ils vont devenir bien très nombreux très vite, après l'été. Je pense que la rentrée, je pense qu'il se produira à la Bastille, sur les places de Paris, la même chose qu'ici. Parce que le sentiment de révolte est le même, le sentiment d'incompréhension, le fait que maintenant les gens commencent à comprendre que c'est les marchés financiers qui dirigent leur pays et plus leur gouvernement. Donc à votre avis, il y a des revendications communes dans toute l'Europe, n'est-ce pas? Qui sont lesquelles? Celles qui sont communes à tous, à tous les pays. C'est la justice. Les sacrifices, si sacrifices il y a, soient répartis équitablement. Les milliards qui sont hors de Grèce rentrent ou soient, confisqués par les Grecs. Je cite ça comme exemple. Il n'y a pas de justice en ce monde. On demande toujours des sacrifices aux plus petits et les grands spéculent. Donc, c'est ça la société libérale actuelle. Et ça date pas de si longtemps que ça, finalement. Cette dérégulation, cet abandon de la souveraineté des États pour les marchés financiers date des années 70. Ça fait à peine 40 ans. On peut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière. Et c'est ça ce que disent les gens qui sont ici, ou à Madrid, ou bientôt en France. Vous savez qu'avec le traité de Lisbonne qui va être mis en place dans 2 ans, l'Union européenne prend toute la souveraineté sur les pays. Hein. Il n'y a plus de décision. Si c'était l'Union européenne, si c'était vraiment l'union de nos peuples, pourquoi pas? Un jour, ça sera. Pourquoi pas? C'est pas l'Union européenne qui prend le pouvoir, c'est les marchés qui prennent le pouvoir. Donc c'est ça qu'il faut. Et l'Europe est devenue un instrument des marchés, au lieu d'être un instrument de progrès de chacun des peuples et de solidarité entre les peuples. C'est pour ça que c'est si important ce qui se passe ici, la réflexion qui se passe ici. Parce qu'il ne s'agit pas ni d'être démagogique, ni d'être... Vous voyez, il s'agit de comprendre qui se coupe, où sont les clés. Cette dette, par exemple, cette fameuse dette. Très bien. Ça veut dire, qui a pris cet argent? Qui a pris cet argent? Où est le trou? Il y a un trou dans la caisse. Très bien. Où est-il? Qui en a profité? C'est à eux qu'il faut demander des sacrifices, et pas aux retraités ou aux petits fonctionnaires. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout, et ça, je pense que c'est commun à toute l'Europe. Et d'ailleurs, les Islandais l'ont bien dit, les Espagnols le disent, les Français commencent à le dire, même avec les manifestations contre la réforme des retraites. Ça a été un mouvement énorme. Et bon, maintenant, il faut espérer qu'en mai 2012, nous avons un autre gouvernement chez nous, parce que autrement, il y aura quelque chose de très violent. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous croyez qu'aujourd'hui, de nos jours, les artistes, les penseurs sont un peu muets dans cette situation, qui n'expriment pas une opinion sur tout ça? Je pense qu'ils sont vraiment beaucoup, pas tous, il y en a qui... En général, je dirais. Il y en a, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont été cyniques. Il y a eu un mouvement intellectuel cynique pendant 30 ans. Et qui a, sous prétexte de l'échec du communisme stalinien, a jeté le bébé avec l'eau du bain et a cessé de réfléchir, sinon sur une idéologie, mais sur un idéal. On ne parle même plus d'idéal maintenant. On ne parle même pas d'idéologie, mais d'idéal. Or, les peuples ont des idéaux. C'est ça
chaque citoyen a une idéale. Et beaucoup de intellectuels ont pris le chemin du cynisme. Et donc je pense qu'ils s'en rendent compte et que c'est difficile de faire amende honorable, comme on dit en français, et de revenir sur un chemin de morale politique.